Mais est-ce que censure les alarapés libanais mboka? Libanais mboka fait censure et pas d'abissot au bi la moralité li kobanini mona mosi bombanzoto mona mosi avant na makola au panzate il faut okanga mpena mona mosi mona nakate pas mi tomba na télévision sous vêtements mona na sous vêtements même ba novela ces ali interdit na mboka na biso à partir à raison là quand même raison là qui ça légèreté au niveau commission il y a commission censure psychiatre na psychanalyste il faut même makane même ba konzina biso lingo za la ministre kende na na SMPP batalio tam so zali kleptomane kleptomane li moto yo so ka moni mboka il faut ka kayiba est-ce que na musique congolaise ou ba yembaka hier zo défendre ka musique et bêtises là est-ce que hier ko yo kanzembo ya ya Robinho vraiment Robinho Mondibu hier ko yo kan est-ce que d'abord je l'ai dit je l'ai dit je continue à le dire je ne reconnais pas un seul musicien ou yemba bêtise je ne connais pas un qui a chanté, il me parle de Robinho. Moi, je me rappelle qu'il a chanté Sokola Matakouin. Ça, c'est la commission de censure. Comment elle a pu laisser passer ça? Mais c'est quand même une bêtise. Je n'ai jamais entendu ça. Qu'il m'excuse, les jeunes novelas et autres jeunes extérieurs sont beaucoup plus suivis. Mm-hmm. Et quand tu regardes le sens, le message passé dans leur série que nous voyons sur novelas, c'est seulement que une fille est sortie avec 5-6 hommes. C'est okay. Ça le message. Et ça, c'est ce que Maître Com veut que les enfants congolais suivent et que les enfants congolais ne suivent pas la musique. Ne suivent pas la musique. Mm. Toute œuvre de l'esprit, homme ou taïendi, comme chanson, interprétation, on a clip, les hommes ou la tamakambo ya yendi. Ok. Au moment où on a yendi, ma tamu sushu, à l'obi lolo, et la clip n'a pas à tchèv, moi, si la souvêtement, pas ma. L'intention en créant la commission de censure, l'intention était bonne, très bonne. Mm. Mais la pratique. Les animateurs qui animent ça. La commission. Ce sont les plus insensés possibles qui méritaient même être censurés. Même. On prend les gens comme ça, on les met à la tête de la commission de censure. Il faut tout revoir. Pathétique. La dissoudre. Qu'elle ne puisse pas exister. Parce qu'elle a corrompu le MERS, elle a tué notre société, la dissoudre, qu'elle ne puisse pas exister. Parce qu'elle a corrompu le MERS, elle a tué notre société. Bon, moi, je vais diviser la musique, ma parole, alors, à dire ça, la parole, même si je vais vous dire, Michel, vous aurez à côté ma mère pour l'année. Merci vraiment, merci beaucoup. Pessimiso, ma précision importante, il peut aussi avoir raison. Bon, toutefois, c'est lui qui l'a dit. CongoDialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Macam Boa Danger dit. Kito. Congo Dialogue. Nalobaye déjà avec Bana Banda France 24 ou bien à Télé Bango, bah image, il y a ma professeur d'université, au bah pèse à cours, il y a droit parce que je suis juriste. Nayebi, société Nabiso, Nayebi, ma chaîne à télévision Nabiso, qu'il y a beaucoup de bêtises, oh les caca. Yangwana et pas dans la bazana, bah flash disque, oh bazar, bazola Nabiso, vous avez une moralité. Tantôt, bah enseignement en Zambé. Et c'est fini. C'est comme ça que moi je fais. Chez moi, les enfants sont très disciplinés parce que nous sommes militaires. Alors, et là, quand on a proposé que va créer IPJC, donc inspection de police judiciaire de censure. C'est-à-dire, agent, on a tambour, on a bar, filmé, donc audiovisuel. Et puis, comme ça, tant qu'on va interpeller. Mais est-ce que censure les alarapés libanais mboka? Libanais mboka fait censure, tout dépend de la société, censure les alis. Mais par rapport à la culture, on a adapté la culture. Oui, adapté la culture parce que on appelle ça la culture spécifique. Chaque société secrète ses propres valeurs. Parce que tu as les sous-produits à chaque société. Et pas d'abus, la moralité, l'Iro Banini, moi,
si on est sur formé bongo toi comment on a la télévision pas ma collègue fonga mais toi la télévision sous vêtement moi c'est sous vêtement même la novela c'est ali interdit na mboka na biso à partir mais je l'ai quand même je l'ai dit ça légèreté au niveau commission il y a commission sans succès c'est un gars dans lobby batiande basango prenez dans d'accord bah sa solution déjà paye ça déjà pour toi aussi ça puis sa solution dans la ligne il ne faut pas seulement qu'on s'en amoute à la situation de la bonne vie et mœurs. Parce qu'on est comme il faut en écriture par rapport à la réalité et au comportement. Il faut que l'on s'en amoute à un médecin psychiatre. Psychiatre, n'a psychanalyste. Il faut que l'on même quand on a dit que la ministre est dans la CMPP. Il y a des gens qui sont kleptomane. Kleptomane est un peu plus important. Il faut que l'on s'en amoute. Il faut que l'on s'en amoute. Il faut que l'on s'en amoute. Député, il faut que l'on s'en amoute. Il faut que l'on s'en amoute. Secrétaire, il la prison à masochiste et le belé. Donc, bisous, on a pour ça qu'il y a diplôme d'université. C'est de moindre importance un diplôme d'université. Très bien. Merci. On avait fait moralité. David. Ouais. Vous m'avez privé. Puis c'est la solution. Puis c'est la solution. Un petit temps. Avant de. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, on a fait que dans la commune d'Angaliema. Oui, papa. Na zola ndemission nabino na Edic TV. Merci. Na lingina no baboye. Est-ce que le monsieur qui est à côté de vous à la TV c'est vraiment est-ce que a koki kopé sa préoccupation na efuma wana? Est-ce que na musique congolaise ou bayembaka? Il y a zo défendre Kalubik et bêtises là. Est-ce que il y a koyo kanzembo ya Robinho vraiment Robinho Mundibu ya koyo kam? Est-ce que d'abord aza congolais moi pas le babino kwana vraiment? Comment des hommes intelligents vous faites des choses comme si vous ayez batté, vous nous faites la honte, hein? On sait que dans la musique congolaise, il n'y a que de bêtises. Mais pourquoi vous êtes bon bango? C'est pas ça vraiment. Voilà, bah, toutes nos questions. Est-ce que vous avez le courage à Rolobago témoigner vraiment que musicien congolais. Je l'ai dit. Je l'ai dit, je continue à le dire. Je ne reconnais pas un seul musicien. Ouais, il y a une bêtise. Congolais qui a chanté des bêtises sciemment parce que le sait qu'en chantant, si c'est une bêtise, ça doit passer par la commission de censure pour être censuré. Comment voudrait-il dépenser son argent gratuitement pour que ça soit censuré et qu'on ne vende pas? Je ne connais pas un qui a chanté. Il me parle de Robinho. Moi, je me rappelle qu'il a chanté Sokola Mata Coin. Alors, moi, je ne vois pas le mal dans cette musique-là. Lave-toi et va au coin. Que moi je puisse lui prêter les intentions. Non, il n'est pas responsable de ce que moi j'entends. Mais je l'ai dit sous réserve. Matanga, par exemple. S'il a dit ça, ça c'est la commission de censure. Comment il a pu laisser passer ça? Mais c'est quand même une bêtise. Je n'ai jamais entendu ça. Qu'il m'excuse, je n'ai pas entendu vrai. Ça. Mais c'est si seulement ça a été vendu, c'est encore une fois la commission de censure. Oui. Mais la vraie question qu'il faille être posée ici. Est celle de voir les choses en face en réalité. Notre société est confrontée à la situation de la globalisation, la mondialisation. Tous mes amis sur ce plateau me disent que nous voulons que nos enfants puissent suivre les chaînes extérieures. Et même si on peut passer chez nous tous, Allô? Même les gens qui nous suivent, vous verrez que les chaînes novelas, les chaînes novelas et autres chaînes extérieures sont beaucoup plus suivis. Et quand tu regardes le sens, le message passé dans leur série que nous voyons sur Novelas, c'est seulement qu'une fille est sortie avec 5-6 hommes. C'est ça le message. Et ça, c'est ce que Maître Com veut que les enfants congolais suivent et que les enfants congolais ne suivent pas la musique. Ne suivent pas la musique. Mais le problème, quand on parle de notre éducation, l'éducation de nos enfants. Et tout ce que nous avons, nous parents, et les musiciens, les politiciens, et le magistrat, tout le monde qui est censé apporter une pierre à l'édifice, éducation de nos enfants, et le sauvegarde de bonnes vies et mœurs, et nos us et coutumes, est tenté de tourner vers l'extérieur, allô? Vers l'Occident. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on a un peu contribué, on a venu à partir à Kalamu, commune à Kalamu. Ok. Mais ça doit par rapport à œuvre de l'esprit. Parce qu'il y en a éclairci un peu. Toute œuvre de l'esprit, on a yendi comme chanson. Interprétation, on a clip, les autres, on a dit ça, ma cambo y a yendi. Ok. Au moment où on a yendi, ma cambo soussou. Alors, il y a lolo. Mais la clip, là, on a tiré moi, si la sous-vêtement. Pas moi, mon bain, il y a un seul geste.
il a dit déjà que l'interprétation est à Makambo. Il y a un continué. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Oui. Alors, c'est ce que je veux dire, que notre société est corrompue par la culture occidentale. Oui, oui. L'externalisation de notre éducation, de nos mœurs. Tous, nous avons tendance à aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors que nous devons protéger notre éducation. Et si nous donnons encore 10 ans avec cette allure des choses, tous nous n'aurons pas de coutumes, nous n'aurons pas de culture. Tout sera dépravé. Parce que nous, l'État congolais n'arrive pas à prendre les choses au sérieux. Est faible. L'intention en créant la commission de censure, l'intention était bonne, très bonne. Mais la pratique. Les animateurs qui animent ça, la commission. Ce sont les plus insensés possibles qui méritaient même être censurés. Même on prend les gens comme ça, on les met à la tête de la commission de censure. Il faut tout revoir. Pathétique, très pathétique. Il faut tout revoir. Okay. En premier lieu, il faut, parce que c'est déjà les pistes de solution. Ouais, ouais. En premier lieu, il faut commencer par dissoudre cette commission actuelle de censure. La dissoudre, qu'elle ne puisse pas exister, parce qu'elle a corrompu le MERS, elle a tué notre société par l'amour de l'argent. Hein? Comme a dit un philosophe, une société dans laquelle la matière prime sur l'intellect ne produit rien de bon. C'est ce que nous avons vu, la commission des censures nous a produit ce qu'elle nous produit. Parfait. Hein? Elle doit être dissoute. Elle ne doit pas exister. Et on doit créer une autre commission qu'on peut nommer censure ou comment, mais lui donner une valeur juridique, une mission qui doit provenir de la loi. Les législateurs doivent nous voter une loi instituant une nouvelle commission de censure avec des missions. La culture est là pour vendre l'image d'une nation. Okay. C'est ça que même les Blancs, là, au travers de leur chaîne, font. Très bien. C'est pourquoi cette commission de censure qui sera créée par une loi. Allô? Oui, allô? Oui, allô? La haine n'a pas été dans l'émission de Gino. Oui, papa. Où est-ce que tu as dit que tu as dit? Allô, Gino. Moi, je vais dire que la musique, ma parole, elle a dit que ça sera. Elle a dit que c'est ça que nous trouvons un jour sur un message, voilà. Ceux qui avaient éduqué Mandé, avant la Macadie, toujours y a Mandé. Tout le monde qui s'en convoit de la piste, par Macadie, là, toujours, qui vient à côté Mandé. Jamais on a raisonné dans la Néga Malabou. Même si nous avons fait un mission là, vous êtes là à côté Mandé pour un ami. Vous avez côté moi instructif, vous pouvez me dire dans l'ordre de mon bagage, vous avez un moment d'été. Non, mais non, on avait élu, non, pourquoi ça fait mal, mais non, de moi, je me fais une bêtise. Ne sont pas les battus, oh, merci beaucoup, merci. Merci vraiment, merci beaucoup. Pessimiso, ma précision est importante. Il peut aussi avoir raison. Toutefois, c'est lui qui l'a dit. On doit finir. Voilà, finir. C'est ça que je peux dire. Finir cette émission. La nouvelle commission de censure qui sera créée par une loi sera dotée de missions précises. Ouais. De vendre notre culture. Ouais. Nous ne manquons pas de moyens pour le faire. Nous avons des chaînes de télévision. Nous devons avoir des groupes musicaux, de théâtrales, machin, qui doivent avoir un message clair à vendre auprès des autres. C'est ce que les Indiens font, c'est ce que les Nigériens font dans leurs films que vous préférez beaucoup plus qu'à la musique de Koffi Olomide. Et pour chuter, moi j'ai dit merci beaucoup à Koffi Olomide, je le félicite pour le courage qu'il a eu de dire tout haut ce que les hypocrites qui gangrènent notre société disent tout bas. Merci. 30 secondes, vous l'avez déjà utilisé. S'il vous plaît. Vous avez utilisé une chose concernant les magistrats. Ouais. Je voulais dire ceci. L'arrêté qui institue cette commission
dit que toute personne qui violerait le valeur protégé par cet arrêté-là sera punie conformément au code pénal. Merci à faire son travail. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc cette émission qui nous a renvoyé dans ce monde musical. Vous étiez nombreux à nous suivre. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Et très vite, on sera là pour vous. Au revoir. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.